tout le monde, c'est ToxicAngelos pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là on se retrouve pour une vidéo d'information, donc pour vous faire montrer un nouveau véhicule que j'ai découvert sur une chaîne YouTube d'un YouTuber en gros, qui met des photos et des easter eggs de GTA V, de plusieurs jeux, donc Red Dead Redemption. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Je sais plus comment on le dit. Donc là je vais vous faire montrer des nouvelles photos d'un camion blindé. Donc vous allez voir le camion, franchement je le trouve vraiment stylé. Donc je vais vous faire apparaître trois photos à l'écran. Donc le camion, franchement vous allez voir, il est vraiment magnifique. Donc la première photo, donc là voici, donc voilà, donc là elle apparaît. Donc on peut voir que c'est un camion blindé vraiment bétal. Donc à mon avis à l'avant il y aura deux places comme d'habitude. On voit que c'est un long camion quand même, donc vous verrez après, j'ai des photos là, j'ai une autre photo où on voit de côté le camion, il est vraiment très grand. Donc pour moi on va avoir aussi des places à l'arrière. Donc regardez la deuxième photo, donc là voici, donc on peut voir au dessus une tourelle, donc ça veut dire qu'il y aura des places à l'arrière, donc on pourra tirer avec cette tourelle, donc si le camion arrive bien sûr, si ce n'est pas du fake. Et ensuite, donc regardez la troisième photo, donc on peut voir le camion de côté, donc on peut voir quand même qu'il est vraiment très grand, et à mon avis pour l'exploser ça va être très très dur. Donc voilà, donc ce serait aussi énorme qu'ils mettent une tourelle à l'arrière et qu'on puisse tirer de l'arrière et d'au-dessus, ce serait vraiment juste énorme. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo sympa, donc n'hésitez pas à mettre votre avis dans l'espace commentaire si vous avez aimé ou pas. Donc n'hésitez pas aussi à partager la vidéo un max de fois. Et moi je vous laisse sur ces images. Ciao tout le monde.